esprit, je te neutralise. Par la puissance du Saint-Esprit, je paralyse. Nous étions tous perdus. Je libère la puissance de feu. Je libère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je soumets toutes les forces sataniques. Qui sont affligés, qui connaissent des problèmes, Seigneur, et même des tourments. Notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance, Père. Le nom de Jésus-Christ est un homme assez puissant, Père, qui ne tient pas compte de la distance ou des limites, Seigneur, mais qui peut aller au-delà des étoiles, au-delà des planètes, Seigneur, au-delà même de la voie lactée, et opérer, Seigneur, un miracle divin. C'est pour cela, Seigneur, je réprimande, au nom de Jésus-Christ, l'Esprit qui tient captif ces personnes, ô Dieu Tout-Puissant. Je réprimande cet esprit au nom de Jésus-Christ. Et que Père Céleste, ces personnes, à travers leurs photos, soient touchées par le Saint-Esprit. Et que quelque chose, Seigneur, se produise maintenant dans leur vie, Seigneur. Oh Dieu, je chasse tout esprit de trouble, de maladie, de malédiction, Seigneur. Oh Dieu, puisse tes enfants, Seigneur, trouver grâce auprès de toi. Je proclame au nom de Jésus-Christ ma bénédiction sur ces personnes, afin que dès cet instant, Père, cet esprit les quitte au nom de Jésus-Christ et qu'il aille dans les lieux arides et que ce peuple, Seigneur, se relève dans la beauté de l'esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Avec lui, Seigneur, au pied de la croix, de le présenter, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant, afin que tu te souviennes, Seigneur, de ce garçon. C'est le fils de ton serviteur qui a confié ton salut à toi, Seigneur éternel. Mais l'ennemi, par la trompée, a injecté, Seigneur Jésus, un esprit dans la vie de cet enfant. Pour le jour, Seigneur Jésus. C'est pour cela, par l'autorité du Saint-Esprit, je prends contrôle, Seigneur éternel, de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, je prends contrôle de cet esprit. Je le neutralise par la puissance de Saint-Esprit. Ce démon, le Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter cet enfant. Quitte-le maintenant. Sors de cet enfant. Va-t'en dans les lieux arides. Dieu Tout-Puissant, je détruis tout ce qui a été injecté dans le corps de cet enfant et qui circule dans son sang. Au nom de Jésus-Christ, Satan, quitte cet enfant maintenant. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Quitte cet enfant et va-t'en dans les lieux arides. Verset Dieu Tout-Puissant. Je couvre cet enfant du sang de l'agneau. Et que dès cet instant, Seigneur, sa vie ne soit plus jamais influencée par cet esprit. Mais que sa délivrance soit effective et évidente.
Au nom de Jésus-Christ, Satan, va-t'en. Va-t'en. Va-t'en dans les lieux arides. Et que cet enfant soit libéré de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Numéro 2. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prends autorité au nom de Jésus-Christ sur tout ce que l'ennemi a déposé dans le corps de cet enfant pour la cribler et la tourmenter. Par l'autorité du Saint-Esprit, je prends sous contrôle ce démon. Au nom de Jésus-Christ, je le lis. Je le lis. Je le lis. Entièrement, Père, et que cet esprit quitte cet enfant maintenant au nom de Jésus-Christ. Satan, quitte cet enfant, je te l'ordonne, quitte. Tu n'as aucun droit de rester dans le corps de cet enfant. Elle ne t'appartient pas. Par l'autorité du Saint-Esprit, je t'ordonne de le quitter. Et va-t'en dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Et que les pieds de cet enfant soient restaurés. Amen. Dès cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le numéro 9. Le numéro 9. Vérifiez aussi la page. Le numéro 9 n'est pas dans la salle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens, Seigneur, augmenter la foi de ton serviteur. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, de persister, oh Dieu bien-aimé, jusqu'à sa complète délivrance, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la vie, Seigneur, revienne sur ses membres. Amen. Père Seigneur, Dieu bien-aimé, que ses nerfs retrouvent, Seigneur, éternel la vie, la sensation, Seigneur. Et que Père Céleste, cette paralysie puisse le quitter au nom de Jésus-Christ. Et que cet homme, Seigneur, marche à nouveau avec ses pieds, tel qu'il le faisait encore il y a quelque temps. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne ses péchés. Tout le mal qu'il a commis, Seigneur Jésus, puisse le sang de Jésus-Christ être joué de verser, Seigneur, sur ses péchés. Et que la grâce lui soit accordée, Père, afin que l'ennemi soit vaincu et que cet homme entre dans la victoire. J'ordonne donc maintenant à tout esprit qui le tient captif, tous les liens qui le lient et l'empêche, Seigneur Jésus, de se déplacer correctement, je brise ces liens, je brise ce chaîne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ordonne à ces esprits de s'éloigner de cet homme et que Père Céleste, la santé lui soit restaurée et qu'il retrouve, Seigneur, ses activités. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Numéro 29. La main, Seigneur, sur ce vent. Père éternel, tout ce que l'ennemi a bloqué, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela se normalise dès cet instant, afin que cette femme, Seigneur, obtienne grâce auprès de toi. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que sa délivrance, Seigneur, soit sans complication. Satan, éloigne-toi de cette femme. Va-t'en dans les lieux arides. Et je te déclare vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
et que cette femme, Seigneur, soit délivrée dans de très bonnes conditions. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en dans les lieux arides et ne reviens plus dans ce corps. Amen. Éternel Dieu, bien-aimé Père Céleste, je prends autorité, Seigneur Jésus, sur tous les démons, les esprits maléfiques qui ont pris le contrôle de cette maman, Seigneur. Et je viens proclamer au Dieu Tout-Puissant sa délivrance totale ce matin, Seigneur, en éloignant au nom de Jésus-Christ tous ceux qui ont pris captif sa vie, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Je réprimande tous ces esprits qui sont des démons sortis de lieux arides pour troubler la vie de cette maman. Satan, prends tous tes agents et allez-vous-en dans les lieux arides et que la santé soit restaurée dans ce corps dès cet instant jusqu'à ce qu'elle retourne à la maison. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Satan, quitte ce corps par l'autorité du Saint-Esprit. Je libère la puissance de feu. Je libère la puissance de feu. Je libère la puissance de feu sur ce tête. Satan, tu es sous contrôle. Tu es sous contrôle. Tu es sous contrôle. Au nom de Jésus-Christ, quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme, va-t'en dans les lieux arides. Et je t'interdis de revenir sur ce corps. Je ferme toutes les portes par lesquelles tu es entré. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en dans les lieux arides. Et que cette maman retrouve sa santé et sa forme. Au nom de Jésus-Christ, amen. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, j'invoque le nom de Jésus-Christ sur ce bébé et je réprimande tout esprit des ténèbres qui a pris captif son corps et qui voudrait la tourmenter, Seigneur. Esprit méchant, par l'autorité du Saint-Esprit, je te déloge du corps de cet enfant et que dès cet instant, Père Céleste, la gloire de Dieu la revêt entièrement de la tête jusqu'à la plante de pied. Et que tout esprit de trouble puisse s'en aller dans les lieux arides. Satan, va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Amen. Sors de cet enfant. Ta place est dans les lieux arides. C'est là où je t'envoie. Et je bénis ce bébé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et qu'elle juste d'une santé normale et parfaite. Amen. Par l'autorité du Saint-Esprit, je prends sous contrôle toutes les forces sataniques. Je prends sous contrôle toutes les puissances diaboliques sorties des lieux arides pour tourmenter les humains sur la terre. Satan, je t'ordonne de quitter cette femme. Je te prends sous contrôle et je te neutralise par la puissance du Saint-Esprit. Je paralyse tout esprit dans le corps de cette jeune femme. Satan, sors de ce corps. Sors. 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 Esprit méchant, je te neutralise par la puissance du Saint-Esprit. Et je t'attache. Je t'attache. Je t'attache.
Je t'attache. Je t'attache. Je t'attache. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu as trépi dans le corps de cette femme, Satan, l'heure est arrivée pour toi de t'en aller. Amen. Je t'ordonne de quitter ce corps. Amen. Sors. 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 Je détruis tout ce que tu as déposé sur le corps de cette jeune fille. Je le détruis. Je le détruis. Je le détruis. Et je libère le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le feu consume maintenant tout ce que l'ennemi a déposé dans ce corps. Que le feu consume. Que le feu consume. Que le feu consume. Que le feu consume. Entièrement tout ce qui a été déposé dans le corps de cet enfant. Quels qu'en soient les instruments, les plantes, tout ce qui a été déposé, les poudres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Je le fais passer par le feu, par la puissance du Saint-Esprit, amen. Et que Satan dégage et prend le large dans les lieux arides. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Je trempe cette jeune fille dans le sang. Et je l'enveloppe de l'arc-en-ciel. Alléluia. Et que l'ennemi n'ait plus accès en elle. Dès cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, j'invoque le nom de Jésus-Christ. Le nom devant lequel, Seigneur, le diable ne peut résister. Aucun démon ne peut résister, Seigneur. Parce qu'à la croix, lorsque tu es descendu aux enfers, tu as désarmé, Seigneur éternel, tous ces esprits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu as repris les clés, Seigneur éternel, jusqu'aux clés même de la mort. Ô Dieu bien-aimé, c'est pour cela, Père, Satan n'a pas le droit de criver, de tourmenter ce corps. Je m'oppose à toutes ces actions dans la vie de cette femme. Et je leur donne maintenant de libérer, de quitter son corps et d'aller dans les lieux arides. Et que maintenant, Père Céleste, tout soit restauré dans la vie de cette soeur, Seigneur Jésus, amen. Afin qu'elle contemple et voie la gloire de Dieu. Satan, va-t'en dans les lieux arides. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Et que dès cet instant, la vie de restauration soit déclenchée maintenant dans son corps, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, j'intime l'ordre à l'ennemi de quitter ce corps. Par l'autorité du Saint-Esprit, je déploie la toute-puissance de Dieu afin que, Seigneur, tout ce que l'ennemi a déposé dans ce corps, Père Céleste, que cela sorte, que cela quitte maintenant ta servante et qu'elle retrouve, Seigneur, une santé parfaite. Esprit méchant, par l'autorité du Saint-Esprit, quitte ce corps et va-t'en dans le lieu à lui. Je la trempe dans le sang de Jésus-Christ. Et que ce sang fasse de pansement. Tu touches, mon Seigneur, dans son corps. Et qu'elle soit entièrement restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai béni ta servante, Seigneur. Oh Dieu béni pour tout ce que tu as accompli dans sa vie, Seigneur Jésus. Que ta bonté, ton amour, Seigneur, se déverse entièrement en elle. Et que par la foi, elle persiste
elle persévère, Seigneur, jusqu'à ce que, ô Dieu Tout-Puissant, la libération, Seigneur, soit totale. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'invoque le nom de Jésus-Christ sur cet enfant. Satan a déposé sa main pour lui créer, Seigneur, des problèmes de santé, des problèmes respiratoires. Satan, je t'ordonne de quitter cet enfant. Tout ce que tu as mis comme bouchon, je le détruis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que cet enfant retrouve que les fonctions de son corps retrouve, ô Dieu Tout-Puissant, leur normalité. Satan, quitte cet enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que sa santé lui soit restaurée. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je prends le nom de Jésus-Christ sur ce corps. Et je soumets les forces sataniques. Je prends sous contrôle tout esprit démoniaque. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce que l'ennemi a déposé dans ce corps pour tuer et détruire les enfants de cette femme, je prends contrôle de cet esprit maintenant. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je libère le feu du Saint-Esprit pour détruire, Seigneur, complètement, entièrement, cet esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, cette femme porte un enfant, Père Céleste, et que cet enfant vive, Seigneur, pour ton témoignage et ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le numéro 7. Seigneur Jésus-Christ, je soumets toutes les forces sataniques. Père Céleste, Dieu bien-aimé, je prends le contrôle du sang de cette femme, Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prends le contrôle de son sang. Et je fais passer ce sang, Seigneur, par le scanner. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je retiens, Seigneur, toute saleté. Et j'envoie le feu sur toutes ces saletés. Que je rassemble et que j'envoie dans les lieux arides. Que la force revienne dans ce corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que, Seigneur, ta servante retrouve, Seigneur, une santé parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux tout simplement remercier le Seigneur. Soit, ta famille soit le nom de Dieu.
La fausse destruction.